chambre à tous. Voilà enfin le coffret encyclopédique du film noir qui traite les films américains donc noirs des années 1912 à 1960. Je ne crois pas spoiler une nouvelle info. A priori, il devrait y avoir peut-être un nouveau coffret qui ira des années 1961 à aujourd'hui. Mais ça, c'est une autre histoire. Alain Carador nous en reparlera. Donc, voici le fameux coffret qui héberge les 20 films, qui se présente de la manière suivante. Donc, un très beau coffret en carton, plutôt compact, dans un étui donc qui le protège, qui présente un petit peu l'intérieur du coffret avec le livre, l'encyclopédie de 660 pages de Patrick Brion, les photos d'exploitation associées à chaque film, avec bien sûr les fiches écrites par François Guérif, pour les connaisseurs, le fameux bouquin de Patrick Brion et le certificat d'authenticité. Voilà, là on peut voir un petit peu les films qui y a à l'intérieur, mais je crois que vous êtes déjà au courant avec et bien d'autres. Donc là, je vais procéder à l'ouverture du coffret. Donc, je le disais, le coffret est maintenu par ce fameux étui. Le coffret, donc, en lui-même, un très beau carton, on voit un très beau pelliculage, une très belle finition de coffret, un très beau noir et blanc. Voilà, on voit la tranche, très jolie, Sidonis nous a encore gâté. Là, on voit effectivement l'affiche de tous les films, les affiches qui ont été toutes refaites en simili bico, noir et rouge, très très belle. Ça donne un très très beau résultat. Au toucher aussi, un très beau toucher, c'est le pelliculage mat qui fait qu'on a un très beau produit entre les mains. Alors, j'ouvre le coffret, et là, j'ai le livret DVD, plus l'encyclopédie du film noir, le bouquin de Patrick Bruyant, de 160 pages, donc là on voit bien le volume 1, de 1912 à 1960, qui regroupe une multitude de films noirs dans ces périodes-là. Très très beau livre, très 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 beau livre. Mais bon, Patrick Bruyant nous avait habitué à ce genre de bouquin, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour l'encyclopédie du western, c'était très très beau aussi, il y avait deux très beaux bouquins. Je vous invite à l'acheter si vous ne l'avez pas encore, très beau coffret. Et effectivement, là nous arrivons à un très beau livre de Patrick Brion. Là je pense qu'il recense à peu près tous les films, voire même tous les films, je pense qu'il est assez exhaustif. Très très beau livre, 660 pages. À côté du livre, nous avons effectivement le coffret qui se présente de la manière suivante, voilà, des pages où nous découvrons les DVD de chaque film. Avec, là je vois un pacte avec le diable, très beau, ça s'enlève facilement, ça se remet facilement. Très belle finition, encore une fois, très beau graphisme, simple, épuré, mais efficace. Et sur le revers en fait du livre, comme une petite cachette secrète, nous avons le certificat d'authenticité, que voici, voilà, donc avec la numérotation, effectivement coffret numéro D, donc là on a de la chance, on est numéro 1000, c'est un vrai collector, superbe. Et là nous arrivons aux photos d'exploitation qui reprennent en fait l'intégralité de tous les films qu'il y a à l'intérieur, avec des photos d'exploitation comme on pouvait trouver dans les années, jusque dans les cinémas, jusque dans les années 2000, début 2000. Maintenant ils préfèrent mettre des critiques de films. Et puis là, on voit, il y a la vie de François Guérif, où il nous laisse une petite critique. Il nous invite à découvrir chaque film, il nous donne des petites anecdotes, bref, il nous donne son avis. Donc, très belle fiche, très très belle fiche, avec une belle photo. Pareil, voilà, la vie de François Guérif, donc sur toutes les fiches. Voilà. Très très bien, très très bien. Donc, j'essaie de tout mettre. Voilà, assez belle sur la table. Voilà. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore précommandé, à le commander très très vite sur le site de Calistar en avant-première. C'est un très très beau livre, c'est un très beau coffret.